C'était un animal, un cheval, parce que ça a de l'allure. Et que Chirac était un homme qui avait de l'allure. En plus, dans la vie, on croise beaucoup de copies et très peu d'originaux. Or là, j'avais le sentiment avec Chirac, et bien, tiens, là, tu as un personnage, une personnalité qui sort de l'ordinaire. Depuis 52 ans, nous nous voyons régulièrement, on parle librement. C'est un homme à qui on peut tout dire. Et c'est ce qui d'ailleurs intrigue dans ce monde de la politique où les amitiés sont éphémères. À cheval, parce que c'est fougueux, parce que ça a des accélérations, parce que ça a de l'allure, et que Chirac était un homme qui avait de l'allure. Un métier, capitaine de long cours. Un pays, la France. Le vent. L'histoire et l'histoire ancienne. Il est le grand spécialiste des arts premiers et il est passionné. Je me souviens quand j'étais à l'Assemblée nationale, assis à côté de lui, qui avait le débat des questions d'actualité, il arrivait toujours avec un dossier énorme et il me disait « qu'est-ce que tu connais des arts premiers ?» Pas grand-chose. Alors il arrivait, il me cochait des pages et la semaine suivante, il fallait que je lui dise ce que j'avais retenu. Pas grand-chose. Il a la passion de l'histoire d'où nous venons.